Sur le plan militaire, la recrudescence des affrontements armés, notamment dans la ville de Khartoum, dans la partie de Omdurman, où l'armée soudanaise continue d'affronter les Rapid Support Forces, avec malheureusement beaucoup de victimes dans le camp des civils. Il y a plusieurs civils qui sont malheureusement touchés par les combats qui se déroulent dans cette partie de la ville, et la situation ne semble pas s'améliorer. Sur le plan politico-diplomatique, les pourparlers ici et là entre les deux parties pour mettre fin au conflit n'aboutissent pas encore. On attend des initiatives de la part de certains pays voisins, des initiatives de la part des organisations régionales, des initiatives de la part de certains États qui ont une certaine influence sur le Soudan. Donc plusieurs initiatives par-ci par-là. Les populations attendent de voir ce que ça va donner concrètement sur le terrain, mais jusque-là, rien de concret.